Je suis rentrée à la maison. Vous savez qu'en ce moment je suis dans un dilemme de fou parce que je sais pas si je change de couleur, si je coupe tout, genre jusqu'à là je me fais un carré, si je coupe tout je fais une coupe très courte genre garçon. Je sais pas, j'ai envie de changement. Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, moi je l'ai vu. Bon. Et ce que je fais là, c'est une dinguerie quand même, parce que ça veut dire que c'est vous qui allez choisir ma robe. Ça veut dire que même si j'aime pas, enfin, on va faire en sorte. Déjà, je vais faire en sorte de vous proposer ma sélection à moi. Et après, selon ma sélection à moi, vous choisissez la robe que je choisis pour mon event. J'ai choisi, enfin, j'ai déjà pris des robes chez cette personne, c'est Dream Dress. C'est une boutique qu'il y a à Marseille, mais qui fait des envois aussi partout. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle a genre divers robes, genre. Des robes super couvertes, comme des robes super ouvertes, comme des robes à paillettes, comme des robes super simples et tout. Et franchement, j'avais pris une robe chez elle pour le mariage. Je crois que c'était le mariage à Mégane, je crois, quand j'étais à Marseille l'année dernière. J'avais pris une robe chez elle et franchement, elles sont canon. Mais quand je dis canon, c'est canon. Je vais vous montrer les pépites qu'elle a, juste pour vous dire, je pense que vous connaissez, enfin les filles qui sont à fond dans les robes et tout, vous savez qu'au Kosovo, les robes, elles sont juste waouh. Et c'est une personne en fait, en gros, qui fait, enfin la personne de Dream Dress, elle fait ses robes là-bas. C'est que des robes, c'est des robes uniques, hein. Donc c'est des robes que elle choisit, qui sont dessinées, qui sont après faites, qui sont faites au Kosovo, et elle vous envoie, genre si vous n'êtes pas de Marseille, bah, moi je suis pas de Marseille, je vais pas aller à Marseille, je vais choisir ma robe via internet, et elle va m'envoyer ma robe en 48 heures. Donc elle en fait des envois colissimes en 48 heures. C'est-à-dire que demain vous avez un événement, vous savez pas comment vous habiller. Allo Dream Dress, elle vous propose ce qu'elle a. Elle est obligée, vous allez kiffer sur une robe parce que c'est vraiment genre trop calme. C'est le compte Instagram de Dream Dress. D'ailleurs dessus vous avez le numéro, etc. pour du coup vous rendre au showroom. Je vous montre. Juste regardez les pépites qu'elle fait. Genre, c'est vraiment pas des lol. Les robes sont juste waouh. Elles sont canon. Et c'est des robes qui sont vraiment genre, c'est ces robes là quoi. C'est pas des robes tirées de je ne sais d'où. J'avais trouvé une robe, je crois c'était sur une influenceuse, elle la portait, elle était magnifique. Regardez ça quoi. C'est pas waouh. Moi j'adore. Ça aussi. Oh, j'adore. C'est magnifique. Les coutures sont super bien finies. Les modèles sont juste waouh. Donc je vais faire une sélection. Et après, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis grave d'accord. Les gens me vénèrent. Non, mais faut pas couper, faut pas couper, faut pas couper, faut pas couper. Frérot, t'as une putain de masse énorme. Tes cheveux, ils ont toujours repoussé. On n'a qu'une vie. T'as grave un flow. Tu peux changer de tête comme bon te semble. Et au pire, dans 6 mois, ton carré, il est déjà aux épaules. Voilà, les gens boring comme ça qui changent jamais de coupe aussi. Oh, c'est vraiment relou. Hein. Moi, je suis grave. Je crois que celle-ci, c'est vraiment les plus belles. En fait, je les ai en couleur or et couleur argent. Genre, je les mets avec tout. La journée, le soir et tout. Franchement, je trouve que c'est hyper, hyper canon. C'est des bijoux qui viennent de chez Aparajan. Vous connaissez, je pense, probablement cette marque. Ça fait très longtemps que j'en parle, peut-être presque 2 ans. C'est une marque de bijoux que j'affectionne beaucoup pour la simple raison parce que c'est des bijoux de bonne qualité. J'ai aussi... Il n'y a pas longtemps, je suis passée à la boutique parce que du coup, ils ont une nouvelle boutique à Paris. Il y a une nouvelle boutique à Paris et je suis passée à la boutique et j'ai pris ces bagues. Juste waouh. J'adore les bagues, moi. Vous savez comment je kiffe les bagues. Parfois, je les superpose comme ça. Et parfois, je les mets sur 2 doigts différents. Comme ça. J'adore. Je vous ai montré aussi cette paire de boucles d'oreilles. En fait, comme vous le savez ou non, je suis venue chez ma famille là, donc j'ai pris juste un petit peu, enfin quelques jours, donc j'ai pris tous mes bijoux et je vous ai présenté pour moi genre des bijoux.
pour moi sont les plus importants, c'est-à-dire cette paire de boucles d'oreilles, parce que du coup bah vous le pouvez la porter avec tout, que ce soit la journée, le soir. Là vous avez en mode vraiment avec des petites paillettes, enfin des petits strass. Et faut savoir que c'est des bijoux qui ne bougent pas, c'est des bijoux qui sont inoxydables. Donc vous pouvez vous baigner avec, vous doucher avec, aller à la mer avec, vous pouvez aller au sport avec. Il n'y a absolument rien qui bouge. Et ça pour moi je trouve que c'est super important. Et c'est pour ça que j'affectionne autant aussi ces bijoux. Vous avez une boutique également à Marseille, à la Valentine. Et en ce moment vous avez la nouvelle collection qui est sortie. En ce moment je suis très argent dans les bijoux. Donc, je pense que ça se voit. Donc j'ai mis celle-ci. Et du coup, j'ai une petite offre pour vous. Vous avez moins 20% sur tout le site, à part sur les articles qui sont déjà soldés. Mais franchement, ça vaut grave le coup. Il y a des bijoux, des colliers que vous pouvez personnaliser avec votre prénom, avec une lettre et tout. Franchement, c'est super sympa. Que ce soit pour hommes, pour femmes ou pour même les enfants. Il y a vraiment de tout, même des bijoux pour le corps. Tout, 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 tout. Super chaud. Là, j'avoue, il fait hyper froid. Il y a un nouveau magasin Philippe plein à Villeneuve. Je peux pas me voir cette marque. Il fait très froid, mais par contre, il fait beau. Enfin, très froid, tout est relatif. Mais il fait plus froid qu'à Paris. En tout cas, quand j'étais à Paris, il faisait moins froid. Je sais pas quel temps il fait aujourd'hui à Paris. Mais en tout cas, il fait beau. Il y a un grand soleil. C'est agréable. Le ciel il est bien dégagé, tout ce qu'on aime quoi. Et joyeuses fêtes et de Moubarak à tout le monde. Profitez bien de vos proches et je vous fais des bisous. C'est de ça que je vous parle. Ce soleil, bonheur. Waouh, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai fait quelque chose de super naturel, je voulais faire une petite French. Finalement, j'ai opté pour du court et simple. J'ai décidé de marcher et de ne pas prendre de Uber ou les transports, parce que c'est pas très loin de chez moi. Et en fait, là, je suis en train de passer devant mon école. Ah, ça me rappelle tellement des bons souvenirs. C'était... En fait, c'était pour moi les plus belles années, genre. Pas de soucis, tu te préoccupes de rien, à part de ton goûter. C'était ça mon école, je vais vous la montrer. Donc là c'est l'école des Paquis, ça c'est une autre école, et ça c'est l'école de Zurich, et ça c'était mon école. Voilà, là-bas on avait les cours de piscine, l'entrée c'était là-bas, là-bas c'est quand j'avais mes entraînements de basket. Bref, franchement c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. J'aurais bien aimé genre m'arrêter à cet âge-là et plus grandir. Ce collier, à chaque fois vous me demandez. C'est un collier qui est personnalisable, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus, votre prénom,
un mot, genre, je crois que j'ai ma cousine qui a écrit amour ou j'adore, je sais plus. Je vais vous mettre le lien. Just, c'est des bijoux qui bougent pas. Vous pouvez vous baigner avec, faire du sport avec, dormir avec, nager dans la mer avec. Ça ne bouge pas, je l'avais mis quand j'étais en Thaïlande. Je l'avais toutes les vacances, il restait intact. Le gilet que je portais hier, je viens de chez Belmiraz, comme ça, comme la plupart de mes vêtements. D'ailleurs, il y a plein de nouveautés en ce moment. Faut que je retourne d'ailleurs. Cherche la mère, elle est bye. Qu'est-ce qu'il a, se fait mal à la tête. La preuve. Oh, oh. Ça va? C'est elle qui chante là. Non, c'était pas elle. Tu peux montrer tes yeux? Je vais la niquer, c'est ça quand même. Ah, ça va? Ah, j'adore. Attends, que... regarde-moi. Waouh. Alors attends, j'enlève ta moustache. Oh. Mais. Et d'ailleurs, elles ont aussi genre grave pris le nez de nos darons. Parce que leur mère, c'est la soeur de ma mère. Ah, et non, moi, j'ai pris le nez de mon. Quoi? Du tout, on a pris. Vous avez pris le nez de maman et tati? Oui. Bah regardez, t'as jamais fait attention, le nez de ta mère et le nez de ma mère, ils sont des tout petits. Trop moche. Non, il est trop moche. Reste comme ça, reste comme ça. Regardez, elles ont des nez, ils sont tout petits, c'est parfait. Mets-toi profil. Waouh. Wow. On va voir. Non, tu sais que ton profil, il est meilleur de l'autre côté. Ah. Et même ton nez, waouh. Tu vois, ton nez, j'ai un nez patata. Non, pas du tout, mets-toi profil. Non. Elle est cheveux. Tarte, chapeau, tarte, chapeau. Non, tarte, bats-toi. Monte ton corps de sportive, monte. Non, pas une. Aïe. Bien quand même. Et quand bien même. Ah, pas mal, top là. Après tout. Oh. Cela va de soi. Soudainement. Je la présente. Oh, certaines pas. Néanmoins. Oh. J'en ai plus. Oh, vocabulaire nul. Non, attends. Jadis. Mais... Oh. Ah, arrête. Attends, non. Alors, c'est belge. J'arrive. Coucou les grossophiles. Tiens, tu veux la chicha? Bien sûr que je veux la chicha, c'est parce qu'elle m'a fait Sylvie aujourd'hui. Elle t'a fait quoi Sylvie? Tu sais pas ce qu'elle m'a mais fait. Mais remets ton 5, c'est en train de tomber là. Attends, je te prends la chicha. Tiens, prends la chicha. Ouais. C'est parce qu'elle m'a fait Sylvie, c'est trop folle. T'as fait quoi Sylvie? Elle a pris mon téléphone. Mais non. Mais si. Mais non. Merde. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Elle a pris mon téléphone. Mais non. Et là, elle est sur Instagram. Mais non. Elle s'est abonnée. À qui? À Maître Gims. Mais non. Elle est très bien, t'es trop fan de Maître Gims. On touche pas à Guy Gims. On touche pas à Guy Gims. On touche pas à Guy Gims. C'est qui Guy Gims? C'est ton Guy Gims. Mais attendez, là, vous imitez qui? Je n'ai aucune idée. C'est qui que vous imitez là? Je sais pas, c'est un film d'action. Allez, action. Pourquoi tu montes pas ta tête, toi? Monte ta tête ou tu parles, non? Non, parce que moi, je suis... Allez, vas-y. On touche pas à Guy Gims. Répète encore une fois, parce qu'elle n'a pas compris, je crois. Ah, Sylvie, Sylvie. Sylvie. Sylvie, si tu vois ce snap, tu touches pas à Guy Gims. Touche pas à Guy Gims, non. C'est le mien, Guy Gims. Oui, Guy Gims. Non, oui, Sylvie. Guy Gims. Vous êtes complètement... Allô, bonjour, je suis d'Altinia Inès. Non, coupe, Allô, vas-y, stop, mais continue. Allô, bonjour. On dirait, allô, Yael, oui, Christophe. Allô. Ouais, Khadija, ouais. Je suis d'Altinia Inès. Non, je suis d'Altinia.
Je fais une pause. Elles sont en train d'imiter ma mère et leur mère. Quand elles s'appellent entre elles, parce qu'elles sont déjà H18 au téléphone. Continuez. Bien sûr que je vous donne la ref du mascara. C'est du coup celui-ci. Je tiens à préciser que ce n'est pas une collaboration. Je n'ai pas de code promo. Je suis allée voir sur le site, il y a des réductions. Donc c'est ça. Je vous explique comment moi j'utilise. J'utilise que ça parce qu'en fait avant je mettais du gel et c'est pour ça que ça m'a fait des petits trous là. Mais maintenant ça recommence à repousser donc ça va. Et en fait je mouille juste mes mains. Je les humidifie. Je fais ma queue de cheval. Ensuite dès que ma queue de cheval elle est faite, je prends ça. Donc j'ai passé toute la journée avec ma queue de cheval. Je suis sortie, je crois il était 13h. Et il est là. Super, j'ai pas l'heure sur ma montre. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être à peu près 21h, 20h30. Pardon. Ma coupe a complètement tenu, je vous montre. Pourtant ce matin, je voulais faire l'arrache. Je l'ai même pas fait en mode très 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 bien. Donc, j'ai pris ça. Je me suis attaché les cheveux. Et j'ai passé un petit coup comme ça. Hop. Et voilà. Ce qui est cool, c'est que... Par exemple, demain, si j'ai envie de me lâcher les cheveux, je peux me lâcher les cheveux. Ça va pas me laisser dépiler et tout, donc c'est super cool. Contrairement au gel ou à la cire et tout. Franchement, ça pépite. J'en ai pris deux, moi, comme ça. Il y en a un, genre quand je sors, je le mets dans mon sac et un toujours dans ma salle de bain. Comme ça, si jamais je suis en soirée, on met un petit coup ou quoi. Genre, un petit coup de danse et après, il y a une mèche qui sort ou quoi. Tu vas aux toilettes, tu sors ton petit mascara et tu l'aplatines. Un tout petit peu. Je suis maigre. Un tout petit peu. Un peu. Je suis un peu maigre. Ouais, bah c'était il y a 5 mois. Je suis un peu maigre. Ok, bah Sophia, je pense que t'as raison. Ma mère a dit que j'étais maigre aussi. Mais moi, la vérité, j'aime bien. Merci, Tata. Moi, j'aime bien. Avant, j'aimais pas, mais maintenant, j'aime bien. Dites coucou parce qu'il y a quelqu'un qui a dit mais c'est la préférée quand t'es avec tes cousines. Salam, t'as le coup, Mendex. Quoi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il y a avec ta soeur? Inès et moi, on a 2 ans de différence. Je suis 95, t'es con ou quoi? Je suis mars, c'est 9 ans. Et alors, je suis 95? Mais elle est malade. Je suis 95, elle est 97. 95 ou 97. Et Aya, viens Aya. Aya, elle est 2004. Moi, j'ai 16 ans. Non, elle est 2000. T'as quel âge, là, ça fait? J'ai 24 ans. Inès, t'as peur de mon père? Non. Elle a peur, papa, je te jure, elle a peur. Toto, je veux qu'elle s'amène Bille. Toto, qu'elle s'amène Bille, c'est faux. Wallah, c'est ta peur de mon daron. Je jure pas, je viens de jurer. Mais tu... Tu crois que c'est un contre nous ou quoi? C'est pas un contre nous, non. Mais tu m'as dit, ton père il me regarde trop mal, dis-lui quelque chose. Elle m'a dit, dis quelque chose à ton père, il me regarde trop mal. Elle m'a dit ça, papa. Toto, j'ai pas dit ça. Je te jure, elle m'a dit ça. I fuck with him, but push come to shove on this mic. On y va, Ryan. Oh my god, je suis tellement malade. J'ai passé une nuit de merde. J'ai passé une nuit à me lever chaque 1h30, 2h. Et en plus de ça, les gars, j'ai fait pas un rêve, pas deux, pas trois. Genre, j'ai fait 46 rêves. Toujours avec les mêmes personnes.
Mais c'était pas des rêves très agréables. Donc c'était horrible. Déjà, j'ai dormi à 4h30 du matin. Je me suis réveillée à 6h. Après, je me suis réveillée à 8h. Après, je me suis réveillée à 9h30. Là, il est 10h30. Bon, je vais pas me rendormir. Je vais aller déjeuner avec ma mère. Mais franchement, horrible. Et en fait, mes rêves, ils ont trop un lien avec ma vie actuelle. Genre, vraiment, genre. Donc, c'est horrible. Je vais pas vous raconter mes rêves. En tout cas, ça concernait deux personnes que j'apprécie beaucoup, 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 genre. Donc, chelou, genre. J'aime pas rêver, moi. Franchement, j'aime pas.